va à Lyon, oui. C'est parti. T'es prête, Alison? Oui. C'est moi qui conduis. Oui, mais je pourrais conduire. Oui, je sais. On est en train de mettre de l'essence parce qu'on en a plus. C'est hyper cher. Le litre, il est à 1,705, je crois. On attend GFT, comme d'hab. Il est pas prêt. Non. GFT, oh. Où es-tu? T'es qui? Je suis qui? T'es qui? T'es qui? Vous êtes qui, monsieur? Ok. T'as dit quoi, Lucène? J'ai entendu ta réponse. Tu répondais pas. Hello! Hello! Bonsoir, bonsoir à tous! Bon, attends, non, il est trop tôt là. Bonjour, bonjour à tous! Me voilà, je suis passé à G numéro 3. Ouais. I'm excited to go to Lyon with them. Like, it will be the second time I'm going to Lyon. So, I'm hoping it will be. Tu sais que c'est un cours de français? Enfin, c'est français. Mais c'est bien. T'as l'air motivé. Congratulations. Hein. Very good, very good. Voilà. Ok, let's go. Voilà. Allez. Lyon se situe à peu près à 2 heures de Clermont-Ferrand et c'est la 3e ville de France de par sa population après Paris et Marseille. On est dans les bouchons. Ça bouchonne. L'embouteillage. Ça va? Nous sommes arrivés là. On est arrivé où? On est où? On est à Lyon. On est dans un parking. Dans un parking, ouais. Après 4 heures de route, des péripéties. C'est faux. C'est pas vrai. Il ment. Voilà. On a mis que 2 heures. Ouais, voilà. Mais... c'est pas très loin. Ouais. Non. Ça se croit un peu à l'arrière, j'ai pas pu m'endormir. Franchement, c'était. Allez, ça marche. C'est parti. Oh, il est trop grand. Les trucs. Il est trop grand. Le pire, c'est que vous ne les voyez pas, les poils d'araignée. Moi, je les vois. Je veux pas les voir. Je suis dans le déni. Ah oui, on marche sur le truc accès piéton. Ça aura duré 2 secondes. Non, on respecte la règle. Non, en fait, tu vois, ils nous auraient fait faire ça. J'avoue, on aurait dû faire tout le tour pour suivre cette bande verte. Ouais, là-bas il y a une porte. Bon, c'est parti. Non. Hello. Si c'est court la photo, s'il vous plaît. Encore plus cher. T'as dit quoi? Est-ce que tu m'as fait photo, pas photo? On va manger. Je sais pas, il est quelle heure? 14h32. Bah, bon appétit. Merci. Bon appétit. On arrive à l'hôtel. Welcome, bienvenue. Donc il y a une chambre, voilà, là il y a un canapé, bon Alison, il y a une télé ici, il y a une autre télé ici, voilà, mais t'arrêtes avec son tata là, tata, voilà, on a un miroir, voilà, bonsoir, après on a une salle de bain, où sont les toilettes? Derrière. Ah j'ai pas vu les toilettes encore. Voilà. Oui, ça c'est pratique, voilà. Parce que c'est mieux quand c'est séparé, je trouve. Voilà, je dis des choses hyper utiles. C'est ça mon objectif. Je vais prendre un bain, il dit. Je vais prendre un bain. Baignoire. J'ai tellement pas l'habitude. Attendez, je vais montrer la vue. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est des bâtiments. Il y a un petit truc, une aire de jeu. Voilà, voilà. C'est pas ouf. Hein. Oui, j'arrive. Je sais pas ce qui se passe, mais j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, punaise. Il est déjà... Non, mais j'ai ma meilleure soirée. Mais si, le pass, c'est quête. Il est trop grand. Oh, j'ai ma meilleure soirée, là. C'est trop grand. Oh, bon, je réserve les meilleures soirées.
La salle de bain sera prise de telle heure à telle heure. La starlette. Alison, la star. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, attendez. Mets ta casquette là. Attention. Moi, je suis une star. On ne me connaît pas. Allez. Wow, la star. Merci, merci. Ta photo. Ouais. Arigato, konnichiwa. Ni hao. Oh là là. Il dit bonjour dans toutes les langues qu'il connaît, c'est gênant. Bon, du coup, on va se promener. Voilà. Oui, je parle. Je parle parce que j'ai peur. Vous faites peur, alors je parle toute seule. Je parle aux gens. Mais je parle, je parle. Bon, on y va. Non, mais si un jour vous voulez vous faire plaisir et que vous êtes riche, mesdames et messieurs, les talents que vous pouvez faire. Non, mais attendez, la crédibilité. Oui, j'arrive. Attends. Regardez ça. C'est ça qu'il faut prendre. Donc, nous avons ici le dernier modèle de la baignoire. De la baignoire. Avec des multi-points d'eau de. Ouais, on y va. Le refait. Allez, on marche, il va faire nuit, les gars. C'est bon, là. On n'a pas que ça à faire, nous, là, de regarder des baignoires. J'ai pas envie de marcher. Si, t'avances. Dépêchez-vous, les enfants. C'est parti. À la place Bellecour. Voilà. En plus, elle me fume pour de vrai, la fille. Ah bon? Vas-y, j'ai envie de la tâcher. Bon, il fait nuit, mais on a décidé de continuer à marcher en direction du Vieux Lyon, qui est un quartier médiéval et de la Renaissance. Parfait. Ouais. Sur la droite. Qu'est-ce que tu veux, Alison? Qu'est-ce que tu veux acheter, Alison? Nous venons d'une campagne, Alison. Ah, mais non, c'est là! Moi, je croyais que c'était là-bas! Ah, c'est bon. Ça coûte combien? Je le veux! 26! Oh là là! On a perdu GFT dans la Fnac. On l'attend demain. Et on peut pas l'appeler! Y'a pas de réseau! Oh là là! Bon bah, regardez la vue. Tu crois qu'il va mettre combien de temps à se dire? Je vais peut-être sortir. Moi, je dis 10 minutes. Dans 10 minutes, on va le voir sortir. Ah, j'espère parce qu'il fait froid. Ouais. Donc on attend, voilà. On balade dans les rues. Promenons-nous dans les bois. Non, c'est les rues là. Promenons-nous à Lyon. On est là? Ouais. Allez, c'est quoi? Il nous referme à l'écart, c'est pas grave. Bonjour. Centre-ville, quoi. Il est en train de bailler. Donc là, maintenant, on va aller dans le Vieux Lyon. C'est parti? Ah, c'est ce qu'on fait, Nico? Oui, c'est ce qu'on fait. On va dans le Vieux Lyon. Ah bon, bah, on va ailleurs, si vous voulez. Non. T'as un vlog à faire. 150 mètres, tournez à droite sur quai Romain Rolland. On s'est fait refouler dehors.
restaurant. T'as dit quoi? On s'est fait refouler nos restaurants. Non, c'est pas fait. Non, c'est pas. C'est nous qu'on s'est. On s'est auto-refoulé. On s'est auto. C'était bon quoi. Attends, debout autour des tables, ça va 5 minutes. On dit qu'on a réservé et que la réservation. Que non. En fait, non. Il n'y a pas de table réservée. Sinon, le repas, il avait l'air petit aussi. Ouais. C'est petit là quand même. La quantité. On a bien fait de changer. C'est pas une bonne idée. Regardez, il mange. Regarde ce qu'il nous attend même pas. Il mange. Il est servi en premier. Il mange. Bon appétit à moi. Il nous attend même. Il nous attend même pas. Il mange sans nous. Non, franchement, on est une là. Je vais boire ma menthe. Bonjour. Bonjour. Arigato. Konnichiwa. Ouais, d'accord. Je sais pas. Tu peux couper ton montage, s'il te plaît. Non. Si. Ça va rester. Si, si. Combien de croissants j'ai fait? J'ai 3 croissants, un chocolat que j'aime pas le chocolat, mais on m'a fait découvrir le chocolat. Je dis ça merci aux parents d'Alison, la mère d'Alison. Et moi? Ouais, ok. Parce qu'on a les mêmes parents. Et un jus d'orange, voilà. D'accord. Bah, bon, il faut que ça me suffise jusqu'au. Je rigole. On espère que les 3 pauvres petits croissants plus le gâteau au chocolat suffiront à remplir l'estomac de GFT. Mmh. Alison. Ah oui. Bon appétit. Bon appétit. Je sais pas, on peut faire comment. On peut prendre un Uber, c'est bon. Ah non, j'ai rien dit, c'est pas ça. Qui veut prendre un Uber? Mais c'est pas ça que j'ai dit. Qui veut prendre un Uber? Moi, je vais prendre un Uber. Tu veux prendre un Uber, Alison? Ça me dérange pas. Alison, la question c'est est-ce que tu veux prendre un Uber ou pas? Oui, ça me dérange. Non, oui ou non, Alison? Mais qu'est-ce que tu veux? Alison, tu veux. Bon, allez, moi je m'en vais, hein. C'est bon. Au revoir. T'as la carte? Oui. Vas-y. Ah non, non, non. Ils sont bizarres les gens. Très bizarre les gens. On y va. T'es prêt, Faïssa? On va où? On va où? C'est bon, j'ai oublié. On part pas dans Lyon. On part de tête d'or. Ah oui, voilà. Part de tête d'or. De la tête d'or. Allez, c'est parti. Ah non, c'est parti, on attend l'ascenseur. Ce parc a été légué, donc c'était à l'originaire propriétaire, un parc qui était en possession d'une famille riche. Et la famille riche a décidé de léguer ce parc-là à la ville, à une condition, qu'elle soit toujours gratuite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons la visiter. Merci pour ces explications, GFT. Alors en fait, je répète juste que le chauffeur Uber vient de nous dire. Donc il a bien retenu la leçon. Effectivement, ce parc a été légué par quelqu'un, et il est gratuit. Voilà, on y va. C'est parti, vous allez aller par où? Bah par là. Ou par là. Oh mi-cheval, on va appeler ça comment? Un centaure. Centaure. Centaure, voilà. Ah, oui, Alice, c'était logique. Tu veux. Ok. Coucou Edgar. Je kifferais un jour que j'ai Edgar et quand quelqu'un te réponde. Ouais. Ouais. Oh là là. C'est clair. Waouh. Mais qu'est-ce que tu fais? On te laisse tout seul une seconde et tu vas faire des bêtises. Non mais franchement là. GFT, tu reviens. Tu reviens ou je viens te chercher? Viens me chercher. Ok, j'arrive. C'est fini, il avait rien, c'est vrai. Il est très net et la girafe, tu sais. Je dirige vers l'hôtel à insectes qui se trouve juste ici. Moi j'ai peur des insectes. Un refuge essentiel pour une cohabitation efficace. Les insectes pollinisateurs rendent ainsi de grands services écologiques. Il est donc important de les attirer et les loger au mieux pour les préserver. Waouh! Waouh! C'est un concept, j'aime bien. Pour les abeilles solitaires, t'as vu?
ouais, c'est cool. Wow. Pour les coccinelles. Oh, les coccinelles. Pour les bourdons. Soutenir l'exploitation durable de la forêt. On est dans la serre. C'est juste là, sur le coup, j'y arrive. Voilà. Voilà, c'est tout. Bon appétit. Merci. Arigato. Non, c'est japonais, ça. Allez, laisse tomber. Ok. Notre-Dame de Fourvière. Peut-être tu nous fais une petite explication. Hein? Tu nous fais une explication sur Notre-Dame. Pour arriver ici, nous avons dû gravir une pente. À l'épreuve, à contre-courant des gens, bien évidemment, qui passaient. Évidemment. Mais je pense que ça vaut le coup, on va visiter, on vous donnera les détails en cours de chemin. Voilà. Très bien. La basilique Notre-Dame de Fourvière surplombe la ville de Lyon depuis le 19e siècle et elle est tout en haut de la colline de Fourvière. Voici le théâtre. Il y a plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui rigolent. Hein. Je trouve ça drôle. Donc là, on a décidé de passer par les traboules, qui sont en fait des passages qu'on traverse à pied à partir de cours d'immeubles et qui permettent de se rendre d'une rue à l'autre. C'est les traboules. Les passages comme ça, ça s'appelle les traboules. Alors, comme Monsieur Gifté m'a demandé, je vais filmer. Oui, il a demandé. Parce qu'il adore être filmé. Du coup, nous, avec Alison, on a pris un chocolat chaud, qui est très bon d'ailleurs. Mmh. Et Gifté, que tu pries ? Voilà. Donc moi, je suis quelqu'un, faut savoir, je n'aime pas le chocolat. Non, c'est pas vrai. Je suis en cours d'appréciation. Bon, j'apprends... voilà, c'est fini, il n'aime pas le chocolat. J'apprends à aimer le chocolat. Et du coup, sauf que le chocolat au lait, j'ai jamais pu aimer. Donc ça allait au restaurant. Le chocolat chaud, tu veux dire ? Le chocolat chaud, ouais, bref, du chocolat dans le lait. Et du coup, j'ai demandé du lait chaud. Donc à vous, tous ceux qui n'aimez pas le chocolat, faites comme moi. Vous avez la possibilité, vous avez la force de demander du lait chaud. Mais si on se moque de vous, vous pouvez le faire. J'ai pas fini, attendez. Si on vous moque de vous, vous pouvez le faire. Prenez du lait chaud. Voilà. Il est bizarre, hein, voilà. Même, il se fait remarquer. Ouais, il se fait remarquer. À chaque fois, les gens, ils le regardent, genre, ok, hein, les chauds. Oui, d'accord. Allez-y, courage, force à vous, tous ceux qui. Team,
La team, je vois pas de chocolat. Oh là là, il te fait son téléphone. Cette personne est étrange. Excusez-nous, nous notre chocolat chaud entre personnes normales. Le lait chaud, le meilleur. Regarde. Il est fan. GFT, c'est un army. C'est lui qui a voulu mettre ça. Regarde. En vrai. Il se met proche. Non. Fais pas le gamin comme ça. C'est bon, t'as rangé toutes tes affaires? Oui. Ok. On va partir. Parce que c'est mon vlog. Oui, mais c'est moi qui filme. C'est mon vlog. Donc attends, voilà, dernière journée à Lyon. Là, on va aller faire le musée de la miniature et du cinéma. D'abord, voilà. On va manger. Ok. Excusez-moi. D'abord, on va aller chercher de quoi prendre un petit déjeuner. Très bon petit déjeuner. Tout à fait. Oula, j'ai failli tomber. Et après, on va marcher jusqu'au musée. Et voilà. T'es prêt? Ouais. J'ai failli tomber. On vient d'entrer dans le musée du cinéma de la miniature. Alan Rickman. Oh. Ah oui, Das. C'est qui? Parfois. Ah, c'est l'affiche allemande. Oui. C'est parti. Et voilà, notre petit week-end est fini. Du coup, retour à Clermont en voiture. Mais c'est pas trop loin. On a mis moins de 2 heures à rentrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie d'aller visiter Lyon. En tout cas, merci beaucoup à tous, à toutes les personnes qui auront regardé jusqu'au bout. Juste après, je vais vous mettre un petit peu de vocabulaire pour que vous puissiez travailler le français. Et merci aussi à Alison et à GFT de m'avoir accompagnée et d'avoir bien voulu participer au vlog. C'est la fin!